dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine, Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique. Une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agence près, femme générale d'aviation, rouler des gamelles au planton. Être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, aimée ici impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa. Femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au fort jartel et au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire border la France. Femme et gardienne de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, forte d'idéal, vendeuse aux puces, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Edit.